Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis lead développeur Android et je suis chez Betlic depuis bientôt 3 ans. Alors j'utilise Android Studio, le langage Kotlin, on utilise une architecture MVVM avec l'outil RX. Pour le versionnage de code, on utilise Git sur la plateforme GitHub, on utilise Bitrise pour l'intégration continue et comme outil de suivi de projet et de documentation, on utilise Jira et Confluence. Mes challenges techniques, chez Betlic, on est sur une application de jeu d'argent et à très fort trafic. Donc un des challenges principaux, c'est d'avoir une très bonne stabilité d'application. Et Betlic est présent dans plusieurs pays. Et chaque pays a ses spécificités, ce qu'on appelle une régulation. Et la difficulté, c'est de gérer ces régulations pour une même base de code. On est découpé en feature team, ce qui est le modèle à la Spotify. Une feature team, c'est une équipe qui va avoir un scope fonctionnel et qui sera autonome sur son scope. C'est des équipes qui sont composées de développeurs de chaque plateforme, Android, iOS, Web App, avec un product owner, un QA, et en support des feature teams, on a une équipe design et un dev back-end. Je dirais de rejoindre Betlic parce qu'il y a une très bonne ambiance, on suit beaucoup les événements sportifs, l'accent est beaucoup mis sur le produit et sur l'innovation. Et il y a beaucoup de challenges techniques, mais qu'on arrive à résoudre au quotidien.